Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la première du journal NDD 2013. Je suis Chloé, votre présentatrice, et voici Cyril, mon collègue. Nous commenterons et présenterons votre nouveau journal TV. Commençons tout d'abord par le spectacle de fin d'année. La fierté du collège, n'est-ce pas Chloé? Oui Cyril, c'est vrai que nous avons de très bons acteurs, de très bons danseurs et de très bons supervisogénaux. Quel était ton rôle, Simon, dans la pièce de théâtre de l'année dernière ? Donc l'année dernière, j'interprétais un petit garçon qui s'appelait Siméon, qui avait beaucoup de problèmes, qui était très mal dans sa peau et très naïf. Et toi, Lali ? J'interprétais Lila, c'était une fille prétentieuse à la une d'un groupe de peste. Toi qui n'es pas extravagante et qui est plutôt réservée, est-ce que ça a été dur de jouer ton personnage ? Non, pas du tout, je me suis vite appropriée à ce rôle. Faut-il beaucoup de temps pour rentrer dans la peau d'un personnage ? Oui, il faut beaucoup de temps parce qu'il faut connaître le personnage, ses problèmes, ses besoins. Il faut vraiment rentrer dedans, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de répétitions. Appréhendais-tu le baiser avec Simon ? Oui, un petit peu parce que c'était pas une scène commune aux autres, donc voilà. Ouais. Y avait-il d'autres scènes difficiles ? Oui, la scène finale parce qu'il y avait toute la troupe réunie, donc c'était difficile à se repérer. D'accord. Est-ce que c'était compliqué de jouer la scène de la vengeance ? Oui, c'était assez compliqué parce que je devais en même temps être surpris, en même temps être en colère, donc c'était assez dur de jouer les deux sentiments. Quel conseil aurez-vous tous les deux à dire aux jeunes qui commencent le théâtre ? Bah, qu'ils s'amusent et qu'ils n'ont pas peur de se ridiculiser devant les autres. Ouais, il faut vraiment faire des kilos et il faut vraiment s'éclater. Merci à vous deux. Merci. Nous allons maintenant nous intéresser au repas partage qui a lieu chaque année. Il se passe pendant un midi à la cantine et se déroule pour le profit d'une action humanitaire. Et maintenant, donnons la parole à Manon, notre reporter. Hé, c'est parti. Bonjour Madame Godard. Bonjour. Que se passe-t-il en ce moment même dans la cantine ? Alors aujourd'hui, c'est notre repas partage annuel. Hein, aujourd'hui, jeudi 5, nous proposons le repas partage, un geste de solidarité pour les jeunes. Alors, pour le prix d'un repas, nous venons en aide à une école à Madagascar, à Talata. En quoi consiste ce projet ? Alors, deux possibilités pour les collégiens des Dunes. Soit ils s'inscrivent, pour 5 euros, ils ont un repas allégé, riz, fromage, pommes. Une autre possibilité... Ils prennent le repas proposé par le restaurant scolaire et ils offrent un don pour cette école. Dans quel but ? Alors nous les aidons à l'achat de matériel de fourniture scolaire. Nous avons déjà financé le salaire d'une enseignante et donné la possibilité aux jeunes de manger du mois de décembre au mois de février. Il faut savoir que dans cette école, il y a 3 enseignants pour environ 370 élèves. Tout le monde connaît le club Nature, dirigé par Monsieur Pidou. Et oui, ce club fascinant vous fait découvrir la faune et la flore de votre région en faisant intervenir des associations pour préserver Dunkerque. Et maintenant, rejoignons Sidonie. Bonjour Monsieur Pidou. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Depuis quand existe le Club Nature ? Alors, ça fait 3 ans. D'accord. Et en quoi consiste-t-il ? Alors, ça consiste à travailler dans un espace naturel et d'entretenir notamment un potager qu'on voit derrière moi et puis des espaces un peu plus sauvages où on a semé des prairies ainsi qu'une mare qu'on a placée au bout du coin nature. D'accord. Et dans quel but ? Alors dans quel but ? L'objet c'était d'avoir un petit coin un peu sauvage pour travailler avec les élèves en classe ensuite. D'accord. Et surtout donc de réhabiliter un endroit qui était plutôt en friche et qui était rempli de déchets, de pierres, etc. D'accord, et qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de l'année ? Alors depuis le début de l'année, cette année, on a monté la serre. D'accord. Et on a fabriqué des petites plaques pour identifier les végétaux qu'on a plantés nous-mêmes avec nos petites mains. Donc ici l'argousier par exemple. Et on en a identifié une dizaine pour l'instant et les autres sont en cours d'identification, gravés avec le club technologie. Très bien, et vous avez d'autres projets pour le coin nature ? Alors ce sera pour l'an prochain, la mise en place d'un espace avec des plantes dunaires.
donc des Zoya, des Panico, etc. Donc le projet se mettra en route à partir de septembre 2013. Donc. Vos élèves sont-ils bien impliqués? Alors, il va falloir leur demander. D'accord. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que ça bosse plutôt pas mal. Et puis dans ces conditions-là, soleil, etc., c'est plutôt agréable. Ça n'a pas été le cas tout le long de l'année, mais bon. Bon, merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Poursuivons, Chloé. Dirigeons-nous maintenant vers les claviers, les guitares et les autres instruments de Monsieur Bertin avec son club musique. Son orchestre symphonique est très connu dans tout le collège. Oui, mais vous verrez, chers collégiens, cette année, il y a de la nouveauté. Oui, bonjour, ici Manon Dufour en direct du JT des Dunes. À mes côtés, Monsieur Régis Bertin. Monsieur Bertin. Bonjour Manon. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis professeur d'éducation musicale au collège de Notre-Dame des Dunes. Quel est votre rôle dans le JT des Dunes? Alors, c'est avec l'orchestre du collège des Dunes de faire le générique du JT. Il y a 2 mois, nous sommes venus vous interroger sur la jeunesse du JT des Dunes. Où en êtes-vous en ce moment? Bien, ça avance. D'autres parties ont pu être réalisées par les instrumentistes. Ça se rôde, ça se répète. Et je pense que nous sommes bientôt prêts pour la prestation définitive afin d'agrémenter le journal du Collège des Dunes. Êtes-vous fier de participer au JT des Dunes? Je suis surtout fier des élèves, de ce qu'ils font. Et ils font énormément de choses, à savoir que, faut savoir que dans l'orchestre, il n'y a pratiquement que des non-lecteurs et des non-instrumentistes. Il y en a quelques-uns, bien sûr, qui font partie d'une école de musique, mais la plupart n'ont aucune pratique instrumentale, aucune. Donc je suis très fier d'eux et de ce qu'ils ont pu réaliser en quelques mois. D'accord, et bien merci de ce petit interview. Au revoir. Au revoir Manon. Voici notre dernier sujet, Cyril. Nous allons bientôt nous quitter, malheureusement. Oui, mais d'abord, j'ai une petite question à te poser, Chloé. Vas-y, je t'écoute. Connais-tu la DP3? Oui, évidemment que je la connais, Cyril. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir à travers ces reportages grâce à Nathan. Alors, nous avons créé une maquette, en plus de notre projet et notre dossier, pour avoir un bonus devant le jury final. Alors, notre magasin sera composé de 3 pièces. Une première pièce destinée au stockage de la marchandise. Une deuxième pièce destinée à l'essayage avec des cabines d'essayage. Ainsi qu'une pièce principale destinée à la vente avec des rayonnages et des tables pour exposer la marchandise. Une vitrine pour admirer de l'extérieur l'intérieur du magasin. Ainsi qu'une caisse pour payer les achats. C'est déjà la fin de ce JT, Cyril. Mais avant de nous séparer, j'aimerais remercier Monsieur Douet qui a supervisé le journal durant toute l'année. Et aussi à notre photographe cinéaste Benoît Ojdé qui nous a été d'une grande aide. Et surtout, merci à tout ce qui s'est passé derrière la caméra. Pour le mettre en route? Non, pour zoomer. C'est ici. Bien. Ah, oui. Son. Action. Séquence 1, prise 3. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la première du spectacle NDD. Je suis Chloé. Là, ça fine. Vas-y. Bonjour. Donc là. Son. Action. Action. Voici notre dernier sujet, Cyril. Nous allons bientôt nous quitter. Oui, mais d'abord, j'ai une petite question à te poser. Vas-y, je t'écoute. Connais-tu la DP3? Oui, évidemment que je la connais. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir dans ce reportage.
Parce que là, vous n'y êtes pas. Hein. Pas du tout, là. Mettez-vous plus haut, Bernard, parce que là, votre tête est complète. Ouais, voilà, mettez-vous comme ça, ça fait très bien. Son action. Nous touchons déjà à la fin de ce JT, Cyril. Et ça part. Son action. Nous touchons déjà à la fin de ce JT. Oui, mais avant de nous séparer. Je me mets dans mon équipe.